Bonjour à tous, c'est Ludo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Super Mario Land 3. Voilà, nous y sommes et nous allons attaquer ce premier tableau. Premier tableau qui, quand on n'est pas extrêmement doué, peut poser quelques petits soucis, notamment avec ces espèces d'ennemis là qui sautent sans arrêt. Je peux vous assurer que c'est pas. Oh, oui! Heureusement que j'ai l'étoile. Allez, 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 allez. On va essayer d'aller super vite. Oh. Impeccable. Tout juste, hein. Excellent. Premier tableau, très rapide, hein. On va essayer d'aller le plus vite possible. Donc, on va essayer de se faire une vie là. Trop tard. Ah zut. Dommage, j'ai juste le milieu qui était pas bon. Un peu tard. Quand j'ai appuyé un peu tard. Le deuxième tableau, bon. Mais j'aime bien les fonds. Les fonds, les backgrounds là, des tableaux là. Je trouve que c'est vraiment très. Je trouve que c'est beau. Voilà. Donc là, avec le P, on va pouvoir gagner un peu de temps. Ah non! Allez. Oh non, 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 je vais crever, pas possible. Oh. J'ai eu peur là, oh. Hop là, deuxième tableau terminé, on n'en parle plus. Non mais oh. Le château. Donc là, on va se le faire normalement, puisqu'il n'y a pas de passage secret. Alors, celui-là, c'est quoi déjà? Oui, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Je suis pas vraiment beaucoup réentraîné depuis. À l'entraînement, j'ai fait le premier monde. Et puis après, ben. Voilà, que je suis parti à l'aventure. On va prendre le petit champignon qui doit être là. Quel? Là, on prend l'élan. Donc là, faut être patient, c'est tout. On va être patient. Ouh là là, oula là. Oups là. On va passer par au-dessus. Plus facile. Parfait. Et là, on arrive au boss. C'est toujours pareil. C'est comme dans les bateaux. On saute trois fois dessus. Et puis voilà, c'est fini. Un point d'exclamation pour éclater la porte. Et c'est gagné. Et voilà, on continue. Tableau numéro 3. Oh, ça s'enfonce bien. Oui, aïe, 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 je me suis fait toucher. Je suis tout petit. Ça, j'aime pas. J'espère que je vais pas. Pff, espèce de flamme de merde, là. Attention, attention. Oh, non! Putain, c'est pas possible! J'ai perdu une vie. T'es bien parti, mais là j'ai fait un peu n'importe quoi. Bon, là ça va. Ensuite là, on va faire ça. Ensuite là, on va faire. Je suis mort là en plus. J'aurais pu passer. Alors, je suis mort ici. Quoi, ce putain de monstre de. Mais putain, mais c'est pas possible, ça fait deux fois la même chose là-haut! Incroyable ça! Nawak! Hop, ça c'est fait. Ça, on passe en dessous. On y retourne. Oui! Oh, oh, il y a des notes là. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des notes là. Petit peu de pièces. On pourrait gagner quelques vies. Ça serait pas mal. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh, catastrophe, la catastrophe là. C'est catastrophe! Je vais pas me faire tuer! Oui, ça va! Là maintenant, on va laisser terminer ça. Donc là, il faut la laisser un petit peu, le temps que la coquille fasse son travail. Voilà.
et on va à la fin. Et là, regardez, l'étoile magique. J'ai gagné des vies. Ça, ça tombe bien. 5 vies. Excellent. Donc là, vous avez vu, il y a des tuyaux, donc on peut passer ailleurs. Je sais pas ce qui se passe. Oh là là. Alors là, oui, il y a le sable mouvant. Alors remarquez encore une fois que le fond est toujours différent. Hein. Donc là, regardez bien. Vous avez vu, il y a la tornade. Et quand je passe comme ça, ça marche pas. Alors là, il faut bien faire. Quand il y a la tornade. Un saut, j'ai sauté trop tard. Ah, oh, j'ai. C'est pas possible comment on fait déjà. Ah, oh, purée, c'est pas possible. Ouais, ça c'est bon. Oh putain! Je crois que je vais prendre un objet là, un champignon. Vaut mieux que je sois gros. Facile. Voilà. Là. Attention l'espèce d'enfoiré. Putain. Oui, joli. Ouais, il fallait prendre une petite sécurité, hein. Ce passable mouvement, c'est pas facile. Un petit champignon pour gagner un objet supplémentaire. On va prendre celui de droite. Ouais, une petite feuille, ça c'est bien. Le tableau numéro 4. Vous avez vu au-dessus déjà quelque chose. On va y accéder. Non, oh non, oh putain. Oh, c'est la folie ça. Voilà. Oh non, putain! Ah! Oula, j'ai failli casser la gueule! Oh, c'est beau! Oula! J'aime pas ça! Oh putain! Ah, ça devient de plus en plus difficile, hein! Ça devient de plus en plus difficile! Oh non! Quel ridicule! C'est possible ça! Oh, putain, oui! Je suis gros! J'espère que je vais pas tomber dans le trou! Ah! Oh putain, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, mais bien sûr. Il est apparu. Ouh, oupla. Avec la feuille, ça va peut-être aller. Ah non. Ah, quel idiot. Tant pis, ça va faire comme ça. Ouh là là. Oh, tant pis. Oh, tant pis, tant pis. Ouh. Ouh. Allez, oh, c'est chaud, hein. Ça devient de plus en plus difficile. Ah, le pic avec le N. Donc on se souvient, bien sûr, qu'il y avait un champignon en haut à gauche. Ah non, la fleur était là. Eh ben voilà, je fais n'importe quoi. Ça commence bien. Aucune importance. Le numéro 5. Oh ! Ah, celui-là, il est balèze hein, pour débuter. Oh yo 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 yo. Oh, j'aime pas ce truc de merde. Oh, j'aime pas ces champs là. Oh, je les déteste. Oh, purée, ça servait à rien. Allez, hop. Ah, ça souffle. Ah non! C'est pas possible!
Ah, là, il y a une tortue avec une espèce de merde là. Aïe, 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 aïe. Attention. On va voir quoi là. C'est un marteau ou une étoile. Une note de musique. Ça, ça peut servir. Je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard. Quand on sera dans le monde de la plante. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Attention. Ce fameux tableau de merde avec les espèces de chambres de merde. Autant leur manier une carte. Ils sont bien. Autant là, c'est la catastrophe. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Chaud. Putain. Concentration là. Concentration. Ça, ça passe. Catastrophe. Ouais, ça commence à me gonfler ce tableau là. Allez, attention. C'est bien. Allez, on va peut-être. Ouais, on va casser ça parce que je sais qu'il y a un rico là, je crois. Voilà. Non, ça retourne en arrière, ça retourne en arrière, ça retourne en arrière. Pas intéressant. Oh, une fleur. Attention, ça rigole plus. Et 3 vies de plus. Bah, disons, ça va me redonner un petit peu ce que j'ai perdu, parce que j'avais 11 vies tout à l'heure. J'ai perdu presque 7 vies en 2 tableaux. Allez, on va faire un pic. On va essayer de faire une étoile. Allez, on y va. Ça va. Oui. Oh. Oui. Oui. Excellent travail. 5 vies. Ah, voilà. Les vies que j'ai perdues tout à l'heure, je les ai récupérées. Excellent. On va tuer cette espèce de truc. Oh, 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 oh. Attention. Donc, la petite, un marteau. Très utile les marteaux quand il y a des cailloux sur votre passage. En haut d'ailleurs, il y a une cachette secrète. On peut y aller. Je vais pas vous le montrer dans celui-là parce que j'en ai une autre plus intéressante dans le monde 3 qui m'intéresse un peu plus. Alors là, on est tout petit. On est dans la pyramide et on est tout petit. Donc je vais autant vous dire que ça va être difficile cette histoire. Même en étant grand comme ça, ça ne suffira pas. En fait, je vous explique, on est dans une pyramide. Et là, on va faire un truc que j'aurais du mal, puisque j'ai ma flèche du bas qui déconne beaucoup. Oh là 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 là. Bon, avec la flèche du bas qui déconne, ça va être chaud. Oh là 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 là. Oh, je vais me faire tout petit parce que ça, ça sert à rien. Ah, cul de sac. Oh non, putain. Alors, je vais vous expliquer la solution la plus facile, c'est de faire ça. Prendre une plante sans se faire toucher, bien sûr. Parce qu'avec la queue, on peut péter les. On peut casser les briques avec la queue. Et c'est pas mal. Aucun jeu de mots, je vous dis tout de suite. Oh, oh putain, non, en fait, ça marche pas. Ah si. Ah, c'est pour là. Voilà. J'ai tué la plante, c'est pas mal. On va monter au-dessus comme ça. Au-dessus. Ah oui, au-dessus, il y a un petit truc sympa. Donc il y a une note. Enfin, il n'y a pas une note, il y a des pièces là. Et on va aller chercher des petits trucs au-dessus. Sympathique, hein, des petites pièces. Pour gagner quelques pièces, c'est bien quand on a besoin de pièces, notamment pour gagner quelques vies. Ça, c'était mon cas. Ah oui, on a terminé la pyramide. Et ça, c'est très bien. Ah non, 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 non. Ouf.
Voilà, bah écoutez, je crois qu'on va arriver à un moment crucial de l'aventure aujourd'hui, c'est le boss. Le boss de qu'on se transformait en coccinelle. Il faut absolument trouver cette baguette magique. Et ben c'est ce que nous allons faire. Attention. C'est parti. En espérant qu'on n'aura pas de problème. Donc là, comme je vous l'ai dit l'aventure précédente, hein, c'est des tableaux avec des scrolling automatiques. Et c'est les tableaux que je déteste le plus. Bon, je ne veux pas prendre la plante là, ça ne sert à rien. Je passe ce tableau, je ne peux pas. On voit que dalle. On va pas tarder à être à la fin du tableau, il y a encore deux petits trucs. Il doit y avoir les espèces de taupes là. Espèce de clé, en plus elle revient tout le temps. Ah, petite clé de merde en plage. Heureusement, je suis pas tout petit. Donc là, normalement, on devrait pas avoir trop de problèmes. En espérant que. Il n'y a pas encore si trop les pieds, machin là. Oh oui, c'est bon. Impeccable. On va choper la baguette magique. Wouh, en plein air en plus. Et voilà, c'est formidable. Le boss est vaincu. Le monde 2 est terminé et nous allons redonner forme, enfin, redonner vie au roi et nous allons récupérer donc la victoire, une lettre de la princesse, bien entendu, avec un petit nuage. Et voilà, une fois encore, le roi a été sauvé, c'est extraordinaire. Et la princesse est toujours bloquée. Et là, un petit conseil, tu peux écraser les ennemis avec la chaussure de Kuribo. Un petit joyau qui te protégera, le petit nuage. Ça permet de passer un tableau quand on en a vraiment besoin. Bref, c'était donc le monde numéro 2. Et nous avons donc arrêté là. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis bye bye et à la prochaine pour de nouvelles aventures dans Super Mario Land 3. Salut!